raconter une histoire. Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois quelqu'un qui s'appelait Boucle d'or. Elle marchait dans la forêt. Et elle avait vu une petite maisonnette. Dedans habitait trois ours. Le papa, la maman et le bébé. Ils sortent à faire une balade. Soudain, Boucle d'or voya trois plats remplis de soupe sur la table. Il goûtait celui du papa ours. C'est trop chaud. Celle de la maman ours, c'est trop froid. Celle du bébé ours, elle la mangea jusqu'à la dernière goutte. Après, elle est allée dans... Elle avait allé sur la chaise de papa ours, trop dur sur la chaise de la maman ours. Ah, ça balance trop. Sur la chaise du bébé ours, elle s'assoit, mais vu qu'elle était trop lourde, bam, la chaise se casse. Elle voulait aller faire dodo. Elle est allée sur le lit du papa ours. C'est trop dur sur le lit de la maman ours. C'est trop mou sur le lit du bébé. Elle était confortable tellement qu'elle a fait dodo. Quand ils rentraient, ils avaient vu trois bols de soupe. Quelqu'un a mangé ma soupe, dit le papa ours. Quelqu'un a mangé ma soupe, dit la maman ours. Quelqu'un a bu toute ma soupe, dit le bébé ours. Allons voir nos chaises, si quelqu'un s'est assis dessus. Il y avait trois chaises. Quelqu'un s'est assis dessus ma chaise, dit le papa ours. Quelqu'un s'est assis dessus ma chaise, dit la maman ours. Quelqu'un a cassé ma chaise, dit le bébé ours. Il avait commencé à pleurer. Ils sont allés voir leur. Tandis que bébé ouf essuyait ses larmes. Quelqu'un s'est couché sur mon lit, dit le papa ours. Quelqu'un s'est couché sur mon lit, dit la maman ours. Quelqu'un fait dodo sur mon lit. Boucle d'or s'est réveillée. Tellement qu'elle avait peur des ours, elle s'échappa. Mais elle ne savait pas que les ours sont très gentils. Elle court. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller chez quelqu'un sans la permission. Fin. Bye bye les petits mignons. J'ai hâte de vous voir. Bye Madame Catherine le grand mignon.